Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Mais Encore, où on va aujourd'hui essayer de révéler des défauts. Euh, pourquoi les révéler ben Pour les corriger, bien sûr, c'est toujours mieux. Et j'ai pris cette photo de la belle Charlotte. Charlotte, si tu regardes la vidéo, attention, à un moment, ton visage ne ressemblera plus à ça, ne t'inquiète pas. Et euh, on va, vous voyez qu'elle a une, euh, croyez-moi, c'est une, une peau plutôt saine hein, par rapport à d'autres modèles que j'ai pu voir qui ont plus de boutons. Elle a deux ou trois petites rougeurs, mais tout ça reste très très léger, c'est une, une très belle peau. Et donc je vais vous montrer bah, comment révéler les défauts de cette peau pour arriver à les corriger. Alors vous allez me dire pourquoi les corriger si on ne les voit pas alors, vous, vous les voyez peut-être pas, mais on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le développement, on commence à avoir à l'œil un peu plus affûté euh, pour corriger les défauts. Donc, c'est pas mal de les corriger, même si on les voit pas tout de suite, euh, puisque ça permettra de faire une, une photo qui est euh, plus propre. Sans arriver, vous me connaissez, moi je suis pas un fan de, de tout corriger au poil près, mais euh, on, pourra, on pourra quand même aller assez loin tout en gardant euh, du naturel. Alors, pourquoi cette vidéo euh, Vous savez que j'ai commencé une euh, formation euh, Photoshop, enfin à vous donner une formation Photoshop. Euh, si vous ne le savez pas, allez voir sur le blog, le site, vous avez déjà une quarantaine d'épisodes. Et euh, lorsque vous faites de la retouche sur Photoshop, au bout d'un moment, moment, on va vous parler des calques de check. Les calques de check étant des calques qui vont permettre de faire ressortir des défauts, justement, pour pouvoir les corriger. Et donc je me suis dit, ben... Dans Lightroom, est-ce qu'on pourrait imaginer de faire la même chose Alors, qu'est-ce qu'on va, sur un portrait comme ça, qu'est-ce qu'on va corriger comme truc On va corriger des petites rougeurs. Alors là, on, on peut, si on zoome, vous voyez, là, il y a une petite rougeur. Là également, il y a une petite rougeur. Là, c'est peut-être un peu plus rouge, vous voyez, mais c'est déjà un peu plus difficile à voir. D'accord Ensuite, on va corriger des différences de luminosité importantes pour essayer de lisser cette luminosité. Puis, on va corriger aussi des différences de couleurs importantes. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est d'abord, on va regarder les petites rougeurs. Les petites rougeurs, c'est quoi C'est des, souvent c'est des petits boutons, des trucs comme ça. Alors l'idée, c'est, euh, vous voyez là, par exemple ici, on a, on, on voit des, on voit des petites choses aussi. Les rougeurs, c'est rouge, d'accord Donc on va travailler là-dessus. On va essayer de faire ressortir justement ce rouge. Et euh, les rougeurs, c'est également, si on regarde là, c'est une, une petite bosse, une petite cicatrice. Donc c'est pas tout à fait lisse. Donc on se dit qu'en augmentant les micro-contrastes, on devrait voir ça beaucoup plus. Donc si vous prenez cette photo, on est au début du développement, hein, là vous avez une photo qui est brute de, brute de capteur, hein, ça se voit parce qu'il y a encore plein de choses qui ne sont pas corrigées. Et euh, on va faire ressortir ben, tout ce qui est texture, par exemple. Donc vous allez prendre le curseur texture, vous allez le mettre à fond. Donc là, vous voyez que ici, hop, cette partie-là, là... là elle est déjà beaucoup plus visible, souvenez-vous, on était comme ça, et hop là elle est plus visible. Maintenant vous allez également, tant qu'à faire monter la clarté à fond, d'accord, et ensuite vous allez baisser totalement la luminance, donc vous allez dans le module TSL, hein, euh, on va afficher tout pour tout voir, vous avez teinte, saturation, luminance, et vous baissez totalement la luminance des rouges. Et là, d'un seul coup vous avez plein de choses qui euh, viennent d'apparaître. Là, vous voyez, par exemple, vous avez ici un petit truc là, là, vous avez un petit truc là, là, vous avez un petit truc là, comme ça. Vous voyez qu'ici, on a des petites, euh, des petites choses, là, ici, on en a une. D'accord Donc ça, ça fait ressortir, alors on voit qu'au niveau du nez, on a un problème aussi, hein ça fait ressortir tous les petits défauts, là, on voit ici, c'est un peu plus rouge. On voit, pardon, on voit également ici que là, c'est un peu plus rouge. Alors, cette zone-là est très souvent plus rouge. Ça, c'est normal, hein, au, au bord du nez. Euh, mais on va voir qu'on pourra l'atténuer aussi. Donc ça, c'est une technique pour faire ressortir comme ça, vous voyez, là, tous les petits trucs orange qui sont là. Comment vous allez corriger ça euh, bah, J'aurais tendance à dire tout simplement avec la suppression des défauts. Et là, par exemple, si je prends euh, ce truc-là, donc moi, j'ai une souris à molette, hein, c'est pour ça que je peux régler comme ça la taille. Je suis en opacité 100%, contour progressif, J'en ai pas vraiment besoin. Et là, par exemple, je vais prendre cette petite zone-là, ok et Il va aller me prendre une zone, je vais essayer de trouver une zone moins abîmée. Voilà, ici, vous voyez, c'est une zone qui est moins abîmée. Si je prends ici cette petite zone-là, de la même manière, je vais essayer d'aller prendre une zone. Prenez toujours une zone qui est très très proche. Hein. Euh, il ne faut pas aller chercher une zone qui est loin. Si vous prenez des zones qui sont loin, ça, ça n'ira pas, vous n'aurez pas la même texture. Et là, cette petite tâche qui est là, de la même manière, je vais aller quelque chose, prendre quelque chose qui est peut-être un peu plus uni par là. Et donc, alors c'est du boulot. Hein? Alors vous en mettez sur Photoshop, vous inquiétez pas, hein? vous faites le, le même genre de boulot avec d'autres outils. Hein? Et donc comme ça, vous pouvez corriger. Donc ça, on verra au fur et à mesure. Je le, je le, ferai, je le ferai complètement après, en utilisant cette méthode-là. Et je vous montrerai le, le résultats. Hop là, excusez-moi, là vous voyez par exemple, il faut que je retourne sur celui-là et il faut que j'aille reprendre la zone qui était là, où il a pris une zone qui n'était pas franchement de la même texture, voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, si on regarde simplement ce qu'on vient de faire ici, là, avec ces 3-4 petites retouches, je vais faire euh, terminer, je vais revenir à la normale, d'accord Donc je reviens à la normale, je remets mon rouge normalement, je remets ma texture normalement, je remets ma clarté normalement, et maintenant si je fais un majuscules pour voir avant-après, donc avant, après. Vous voyez Toutes ces petites taches orangées qui finalement apparaissaient très très peu, on voit maintenant qu'elles ont été corrigées. D'accord Donc ça, c'est pour faire ressortir tout ce qui va être rougeur. D'accord Et ensuite les corriger. Qu'est-ce qu'on corrige généralement souvent Ce qu'on corrige généralement souvent, ça va être des différences de, de lumière. Euh, des zones qui passent très rapidement du, du, du foncé au clair, tandis que ça ne devrait pas. Parce que, bon, ensuite, si vous avez une ombre franche, c'est normal. Mais des fois, euh, ça ne devrait pas. Là, par exemple, on le devine ici. On devine là, par exemple, que euh, c'est peut-être un peu franc, là, la manière euh, dont ça passe. Euh, on va se rendre compte. Alors là, c'est pareil. Si vous mettez la clarté euh, complètement à fond, d'accord vous voyez que d'un seul coup, ici, le contraste entre les deux devient plus important. Mais vous avez d'autres choses qui apparaissent. Regardez ici. Vous voyez là, ici, cette petite tâche. Cette petite tâche-là, avant, bon, elle était comment Elle était plus légère. D'accord Là, maintenant, on la voit vraiment arriver un peu plus. Là, j'aurais tendance à dire que c'est plus dans la correction des défauts qu'on va faire ça. Mais si on revient à l'œil. D'accord, je reviens à l'œil. Donc, je reviens à mon œil qui est ici et je remonte ma clarté à fond. Et si on dit la zone ici, là, là, celle-là, là, ici, euh, moi, j'aimerais qu'il un... le passage ici soit moins franc. Comment on va pouvoir faire ça On va pouvoir prendre par exemple un filtre radial, d'accord Donc, je prends un filtre radial, j'annule l'effet de mon filtre radial. Et qu'est-ce que je peux faire Là, -bas je peux jouer, par exemple, un peu sur le contraste. Si je joue un peu sur le contraste. Vous voyez Là, j'augmente le contraste. Je baisse un peu le contraste. Donc, je peux jouer un peu sur le contraste et je peux aussi sûrement jouer un peu sur la clarté. La clarté négative, moi, je l'utilise des fois dans des cas comme ça, très léger, euh, mais uniquement pour la retouche locale. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, si je fais mon avant-après, d'accord Je fais, euh, vous voyez, après, avant, après. Donc, j'ai atténué cette différence. D'accord C'est pas énorme. Hein mais c'est volontaire, il faut, faut y aller mollo sur ce genre, sur ce genre de choses. Ça, c'est une manière de faire. Puis ensuite, ce que vous allez vouloir corriger, j'ai supprimé, je, je referai tout après en vitesse rapide. Ce que vous allez vouloir également vérifier, c'est les différences de couleurs. C'est-à-dire que. Alors, oula, je vais retirer la, la clarté, voilà, beaucoup mieux comme ça. Les différences de couleurs, ça va être quoi euh, ben, Où est-ce que j'ai des endroits qui ne sont pas à la même couleur et euh, je dirais que je vais ou pas corriger. à vous de décider. Maintenant, je, je vois des différences de couleurs. Je vois que là, j'ai une espèce de, de rose plus foncée. Là, j'ai un rose plus clair. Là, j'ai une espèce d'orange. Mais tout ça, c'est un, un, un peu flou, un peu fouillis. Je le vois, mais pas super bien. Bah, c'est simple, si vous voulez le voir mieux. Augmentez donc la vibrance et augmentez donc la saturation. Maintenant, ça devient complètement évident. Vous voyez qu'ici vous avez une espèce de zone qui est saturée rose, là j'ai une espèce de truc qui est orange, et là j'ai une couleur qui est plus euh, faible. Ok. Maintenant, imaginons que vous vouliez corriger un peu ça. D'accord De la même manière, vous pouvez prendre un. On va prendre un radial pour que ça soit plus simple. On va prendre un radial qu'on va mettre comme ça. OK. Je vais mettre mon radial que je vais mettre comme ça. Très bien. J'annule l'effet. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire bah, je vais retirer de la couleur et remettre la couleur qui m'intéresse, tout simplement. Donc retirer de la couleur, c'est par exemple avec de la saturation. Vous voyez que je retire de la couleur, très bien. Et ensuite, je peux dire, mais je vais rajouter une couleur qui m'intéresse et plutôt de la couleur qui était là. Si vous prenez une couleur qui est plus saturée, là, là, ça, ça va pas le faire, ça va se voir. On va dire ça comme ça. Donc là, pour choisir cette couleur qui est à l'intérieur, je vous rappelle, vous cliquez. Dans la zone de couleur, vous restez cliqué, vous sortez la pipette à l'extérieur et vous venez échantillonner le point qui vous intéresse. En l'occurrence, le point qui est ici. Et maintenant, vous allez pouvoir simplement régler avec la saturation un peu comme vous voulez. Alors, au bout d'un moment, il va falloir retirer Saturation Vibrance pour voir ce que vous êtes en train de faire. Mais disons que là, je m'arrête là. Ça me, paraît, ça me paraît pas mal. Donc, si je regarde avec Saturation Vibrance toujours en route... Avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. D'accord? Et là, je vais simplement, je vais fermer ça. Je vais remettre ma saturation et ma vibrance normalement. Et maintenant, si je fais avant, après, donc je reviens ici au niveau de mon filtre radial. Et je fais avant-après, filtre euh, radial, j'avais dit. Oui, c'est un radial que j'avais pris. Euh, voilà, il apparaît là. Et maintenant, si je fais avant, après, avant, après. Alors, moi, je le vois ici. Regardez bien ici. Regardez bien ici et un peu dans cette zone-là. Vous voyez, c'est très léger. Hein Mais il y a une petite différence entre les deux. D'accord Vous avez corrigé. Ici, c'était un peu plus orange ici. Et là, si vous le remettez en route, ça l'est un peu moins. Alors, ça a l'air d'être du détail comme ça. Hein Mais c'est le détail, justement, qui va faire la différence. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder tout ça. Donc... Je vous ai dit, corriger les défauts, vous avez vu. Clarté, texture à fond, euh, le rouge, luminosité tout en bas, vous allez voir tous les défauts apparaître sur la peau. Ensuite, pour ce qui est euh, différence de lumière entre des zones, bah, vous montez simplement la clarté. Et ensuite, pour ce qui est différence de couleur, bah, vous montez simplement la saturation et la vibrance à fond et vous les verrez. Donc, moi, ce que je vous propose maintenant, on va passer en, en vitesse rapide. Je vais prendre ce portrait-là. Je vais le traiter en m'aidant justement de ces trucs-là. Donc là, on va juste faire de la correction des faux, couleurs euh, et luminosité entre des zones. On va s'arrêter là. Et puis euh, ensuite, vous verrez euh, la différence entre l'un et l'autre. Donc ben, je pars en... Alors je ne sais pas si je vous laisserai en vitesse rapide ou je vous passerai directement euh, au résultat parce que ça risque de prendre un petit moment. Je pense que je vais passer directement au résultat. Ça sera plus simple. Et je vais arrêter l'enregistrement le, là et on se retrouve pour le résultat. Donc là, c'est un résultat intermédiaire. Je me suis arrêté à la correction des défauts. Donc, vous voyez qu'il y en a certains. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, cacher euh, les petites euh, épingles. D'accord Vous voyez, outils d'incrustation, c'est là, euh, auto. Euh, il les affiche euh, jamais, il ne les affiche pas. Et ce que je vais faire, ben, je vais retirer la correction. D'accord Donc, je vais désactiver la suppression des défauts. Donc là, vous êtes avec la suppression des défauts. Et là, je vais la désactiver. Voilà tout ce qu'on a corrigé avec la suppression des défauts. D'accord Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de boulot qui est fait. D'accord Pour euh, retirer ben, tout ce qu'on a réussi à mettre, euh, a, à révéler en termes de défauts, même s'ils n'étaient pas forcément super visibles dès le départ. D'accord Alors qu'est-ce que ça donne ça en vrai euh, Je vais arrêter. Je vais euh, remettre la luminance du rouge normalement. Je vais remettre la texture et la saturation, et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, si je fais un avant-après, d'accord Ça, c'était avant-après, d'accord Donc vous voyez qu'il y a un petit, un petit erreur ici qu'il va falloir que, que je corrige, là. Mais euh, vous voyez que ça se voit beaucoup moins là, mais ça se voit quand même. On a quand même pas mal de choses qui ont changé, plein de petites imperfections qui sont parties. Maintenant euh, bah, je vais arrêter à nouveau et puis je vais faire tout ce qui est couleur et euh, couleurs et euh, différence de, de luminosité puis on va revenir. Et donc une fois qu'on a tout fait, euh, voilà ce que ça donne. Donc on va regarder avant après. D'accord Donc ça c'était avant, après. Donc vous voyez qu'on a retiré les petites taches euh, les différences de couleurs ici qu'on pouvait avoir avec du violet, là elle a été euh, corrigée. Euh, Ici au niveau de l'œil, c'était un peu un peu trop contrasté. Euh, euh, là également, ça a été euh, corrigé. Ensuite tout ce qui est petites cicatrices, petit boutons, petite rougeur et ainsi de suite. Donc il y a quand même pas mal de travail dessus. Hein dans le sens où si on va sur du filtre ici, on en a, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si on va ici dans la correction des défauts, alors là on en a beaucoup plus. D'accord, c'est des tout petits. Hein on, travaille, on travaille par petites touches, pas par grosses touches. Mais voilà ce que ça fait à la fin. Alors, pourquoi je vous ai montré ça Parce que vous allez nous dire, bah, c'est plus facile à faire dans Photoshop. Oui. Ouais, on va dire que ce genre de retouche est plus facile à faire dans Photoshop. Mais c'était quand même pour vous montrer que c'est pas infaisable dans Lightroom et qu'on peut très bien utiliser des outils pour s'aider. Des outils de développement. Comme je disais, ben, poussez la vibrance et la saturation à fond, vous verrez euh, plus facilement les différences de couleurs. Et si vous poussez euh, la clarté, la texture et que vous baissez à fond les rouges, vous allez voir plus facilement toutes les petites rougeurs qui y a sur euh, la peau. Donc c'est pas des choses à négliger. Pensez, lorsque vous voulez voir s'il y a des défauts qui traînent, essayez d'imaginer le défaut. Et en fonction de l'imagination que vous avez, ben, essayez de toucher les curseurs pour que le faire apparaître et le corriger. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du, du Lightroom, hein, puisque ces temps-ci on est plutôt à fond dans Photoshop, mais je voulais m'amuser euh, à faire ça avec Lightroom. Voilà, merci, au revoir.